c'est lui qui reçoit, c'est l'orang-outan. Bon, maintenant tu peux tourner par là. Tu prends la photo de papa et mon buste. Et puis tu prends l'ensemble de ce qu'on appelle le... Je peux faire un film comme ça. Ça, c'est mon buste quand j'avais à peu près 14 ans. C'est en marbre, bien entendu. Le faucon, là-bas, c'est un buste de l'époque de papa. C'est un buste du fondeur Maxia, que mon père a fait lui-même en bronze. Et puis, ce sont des aquarelles gouachées qui représentent des serpents, des félins, etc. Qui a été que j'ai offert au VVF et qui a été vendu le soir même du vernissage, et tout autour de nouveau des gouaches et des aquarelles. Tu te rapproches parce que tu as une mauvaise lumière l'endroit où tu es. C'est le buste de maman qui est en bronze, qui est un buste de l'époque de mon père. Quelle année ? Ça devait être en 30 à peu près. Un peu plus tard, 35. Un buste de 1935. Les bronzes que j'ai fait faire moi, les différents bronziers, d'après les terres cuites de mon père, qui étant très fragile, avait besoin d'être protégé. Alors le petit éléphant, le petit singe, c'est avec Clémenti, le fondeur. Et puis plus bas, tu as les têtes, qui sont les têtes de céramique, qui sont faites également par Clémenti. Ce sont des boîtes, on peut les ouvrir. Elles sont découpées. Des boîtes à tabac ? Des boîtes à tabac, tout ce qu'on veut. En bas, c'est les chiens. Ouais, ça, tu les vois pas beaucoup. Hein. Alors c'est une lionne aussi en terre cuite que l'on voit dans l'autre côté de l'exposition et que j'ai fait faire également par Clémenti en bronze. Alors
ça, c'est l'entrée de l'exposition, cabinet d'amateur, cabinet des estampes. Ça, tout ce qui est dans cette vitrine-là sont des terres cuites. C'est ce qu'il a fait à la fin de sa vie, et parce que ça l'amusait de faire ses boîtes et comme ça, en terre cuite et céramique. Mais il recherchait des émaux assez particuliers. Tiens, regarde, avance-toi sur le rhino, parce que c'est ce qui est le plus beau. Et les petites souris aussi, qui sont de face. Elle remonte vers celui-là, qui était le modèle que j'ai pris pour faire le bronze, la grosse tête. Qui est très très réussi en bronze. Et puis celui-là est très beau aussi, le singe, qui est un pot aussi, qu'on peut ouvrir sur l'éléphant. Superbe, c'est une matière superbe. Si elle est assez bien, t'as pas de reflet. Une terre cuite, on dirait un bronze tellement c'est beau. Mais je vais en faire un bronze d'ailleurs. Ça s'indique.